Ouais, bonsoir, Elodie. Bonsoir. Ouais, non, te suis. Bon, moi, il te suit sur les réseaux sociaux. T'as bien fait. En général, je dis que moi je suis sur les réseaux sociaux. En général, quand je lis les commentaires, je dis que tu as la même quoi. Tu fais les mêmes petits styles, etc. Mais tu es là où je voudrais savoir. Parce que moi je suis sur les réseaux sociaux. Donc, j'aimerais savoir si c'est les mêmes coiffures. J'aime les cheveux là. Et puis tu as beaucoup de choses. Tu vois, on donne une pièce sur ça. Il est dessus sur les réseaux sociaux. Depuis, les gens se plaignent, ils disent, c'est toujours le même tissage que tu fais. Donc, il ne sait pas si c'est perruque que tu as porté, ou bien tu adores la coiffure, ou bien tu as beaucoup de mèches comme ça, ou bien il ne sait pas. Voilà. Tu sais, quand il parle là-bas, il parle plus fort. Donc, il me dit, il me dit. Voilà. Voilà. Et donc. Non, vrai, voilà. Je ne suis pas. Si tu me suivais vraiment comme tu l'as dit, tu allais savoir que ce n'est pas la même chose. Certes, c'est blanc, mais il y a d'autres qui sont courts, il y a d'autres qui sont longs. C'est pas les mêmes. C'est pas les mêmes. C'est pas les mêmes. C'est pour ça qu'elle posait la question. C'est pas les mêmes. Allez, c'est pas les mêmes. Ok. Oui, c'est beaucoup. Ok, merci. Question. Manu, tu as une question? Voilà. L'intelligence d'Afrique, le bichon. Merci, bonsoir. Bonsoir. Certains disent que tu as eu aussi. Certains de toi-même. Non, pas moi. Je ne fais pas la bonne. Non, c'est pas pour les autres. Non, la question c'est les réseaux tous. La question c'est les réseaux tous. Je suis à moi de savoir. Une question que j'ai posée à Dossi Yao. Voilà. J'aimerais savoir comment Dossi Yao se voit dans 10 ans. Avec toutes ses formes. Dans 10 ans, je me vois au foyer, avec mes nombreux enfants. Il dit comment tu vas te voir dans 10 ans. Dans 10 ans, je me vois dans la foyer mes nombreux enfants. Allez. Déclenchez pas mon invité. Ah. Bonsoir, Nancy. Bonsoir. Je suis Emmanuel Yassama. Enchanté. Je suis écrivain. Pardon? Écrivain. Écrivain. Ah. Okay. Mon livre, c'est Cœur à la boue, ça sorti à Paris, ça fait 2 semaines. Mon livre est sorti à Paris, ça fait 2 semaines. Oui, oui. Tu vas acheter double tous les 10 livres, mon livre est là-bas. Oui. Je suis désolé. La sérieux. Mais j'ai connu Edossi au Sénégal. J'étais en conférence des écrivains. Quel Edossi? Toi. J'ai jamais fait le Sénégal. J'ai connu Edossi au Sénégal, à m'a parlé de toi au Sénégal. Ah d'accord. En tant qu'Ivoirien, je t'ai vu avec Abu Lucien au VIP. À la veille de mon départ, tu t'as bien en blanc. Et puis j'ai demandé à Jessie, c'est le gars. Il dit, mais c'est qui ça? Il m'a dit, c'est Edossi. Ma question vient. Il dit, la fille, qu'est-ce qu'il fait? C'est pour qu'on parle de tout ça là. Et je dis, ah bon? Et le lendemain, j'ai pris mon bon que je suis au Sénégal, il faisait ma dédicace. Et puis il y a une fille qui m'a dit, ah, tu es une voisine. Mais Edossi, tu la vois? Alors qu'à la veille, j'étais vu au VIP. Non, je viens avec ma question. Pourquoi on va perdre? Pourquoi on va perdre? Tu comprends? Donc j'ai dit oui, Edossi, je la vois, quelques milliards, je l'ai vu au VIP. Maintenant, Edossi, en fait, en réalité, si Facebook, tu véhicules quoi? Comme message. Parce qu'il y a une voyelle, tu as des pétitions qui te suivent. Aujourd'hui, nos pétitions sont plus sur Facebook que nous. Tu véhicules quoi? Jamais, jamais, que. Chaque matin quand tu te lèves, tu es devant ton salon de coiffure. Attends, il prend une photo pour dire je vous attends mes clients. Soit lui, il vient faire ses soins. Pendant que tu attends ses doigts, tu prends une photo pour dire merci, il est venu, je vous attends. Ça, c'est ton métier. C'est ton marketing. C'est ce qui va te définir. Sinon, les trucs, on en a vu, on va toujours voir. Donc, moi, je veux que tu fasses plus ton métier. Tu vas aller dans le métier, tu vas dans le jeu, toi et ta famille. Ok. Allô. Non, mais attendez, il a posé sa question, même elle a donné conseil. Allô aussi. Parce qu'elle n'est pas compliquée, tu vois. Hein? Voilà. Non, il m'a posé la question, ça fait bon. Tu peux parler. Mais motion, motion, écoutez-la, s'il vous plaît. Vas-y, vas-y.
on continue. Bien sûr, quelque chose à dire. Vas-y, vas-y, vas-y. Je te reprends maintenant, là, tu peux m'écouter. Comme je l'ai déjà dit, je suis esthéticienne diplômée d'État. Et je vis de ça. Je m'occupe des mariés, je m'occupe de, disons, des mariés, des femmes. Je m'occupe de l'entretien corporel. Je suis aussi masseuse professionnelle. J'ai même une page d'oxygène, un make-up et de massage. Ça veut dire que je m'occupe d'une mariée, je mets les photos là-bas. Donc quand tu dis que tu aimerais que je prenne une photo, disons, devant un client, oui, je le fais déjà. Sans doute tu n'as pas encore vu, mais je le fais déjà. La preuve, quand tous moi venaient à Abidjan, on m'appelait. Et comme ça, je m'occupe de plusieurs personnes. Je ne vis pas du net, je vis de mon métier, je vis de l'esthétique. Donc quand tu dis que tu aimerais que, disons, je vais mettre plus mon métier en avant. Mais je vis de mon métier, je suis de vous. Tu n'as pas vu, il faut dire que tu n'as pas vu. Sinon, je vis de mon métier. Ok, ok. Ok, non. Wow. Attends, même là, il y a un client qui m'a donné son téléphone. Tu vois, non? Parce que mon frère René Hamilton a dit dans 10 ans, comment tu te vois? Lui, il dit dans 10 ans, il dit 10 ans en arrière. Regardez la photo. Comme elle dit, elle n'a pas fait du coup à la chirurgie. Il dit de lui demander. Oui, il a passé cette photo aujourd'hui. Alors, t'as passé cette photo, oui. Et il dit de lui demander pourquoi la poitrine a... Pourquoi la poitrine a fait là? C'est là, là. Quand tu